de Singapour, c'est professionnel. Et me laisse seul en ma tour, rien de personnel. Il visite ses partenaires, c'est professionnel. Pour satisfaire l'actionnaire, y'a rien de charnel. Certes, il y va avec Charlotte, c'est professionnel. Elle est là pour prendre des notes très confidentielles. Mon mari est parti en voyage d'affaires. Sa petite compagnie est vraiment très prospère. Il a pris avec lui sa jolie secrétaire. Elle est vraiment très compétente, mais ne croyez pas qu'elle le tente. Les affaires sont les affaires. Tout de fond du très bon boulot, c'est professionnel. Quand j'appelle, elle répond allô, rien de personnel. Hier, ils étaient au Niagara, c'est professionnel. Pour signer un jus de contrat, y'a rien de charnel. Moi, je prends mon mal en patience, c'est professionnel. Il a des finances, la science opérationnelle. Mon mari est parti en voyage d'affaires. Sa petite compagnie est vraiment très prospère. Il a pris avec lui sa jolie secrétaire. Elle est vraiment très compétente, mais ne croyez pas qu'elle le tente. Les affaires sont les affaires. Que dites-vous, madame, que je suis aveuglée? Qu'à ma place, madame, vous l'auriez étranglée. Comment cela, monsieur? Vous pensez que Charlotte, dans leur hôtel, monsieur, ne prend pas que des notes? Qu'elle est très haute, que dans leur course, elle prend la cote de ses bourses. Vous me croyez, femme trompée, c'est professionnel. Oui, je vous ai bien attrapé, rien de personnel. Si seulement sa secrétaire, moins professionnelle, en faisait un homme adultère, un type charnel. Mais voici le plus affligeant, c'est professionnel. Il ne me délaisse que pour l'argent et sa clientèle. Mon mari est parti en voyage d'affaires. Sa petite compagnie est vraiment très prospère. Il a pris avec lui sa jolie secrétaire. Et c'est une fille épatante, j'aimerais bien qu'elle le tente. Mais il est froid comme l'enfer. Les affaires sont les affaires.